est vraiment dans l'antre du malaise là. Et là j'ai l'impression qu'il va se passer un truc particulier là. Tu te sens bien? Genre vraiment on est en petit comité. Non je me sens pas bien parce qu'il y a Hugo, il est derrière, il est mort de rire, il y a Kezia à côté. Et il y a toi, je sais pas quoi m'attendre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon gars Yass. Comme vous l'avez entendu, il se sent salut, super salut. Bien. Ouais je suis totalement à l'aise là, je suis grave content d'être là. Merci encore une fois de m'inviter. Peut-être qu'un jour je t'inviterai sur ma chaîne, mais c'est toujours pas le cas. Il faut que tu fasses des vidéos. Je sais, mais c'est que j'ai pas de concept, je sors pas de vidéo. Voilà, oui, c'est t'as ça. T'as pas vu les concepts pourris que je fais? Ouais, mais je sais pas, moi j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie de faire des trucs de fou malade. Par contre, je tiens quand même à préciser que c'est toujours pas le concept, on va dans les étoiles et Michelin du non, coup. Non, pas encore. Ouais, toujours pas. T'inquiète, on le garde. Ok. Un peu plus loin. Je t'ai ramené dans un étoilé au Japon, donc franchement. Et vu comment tu t'es comporté là-bas. En plus, j'avais fait la fine bouche. Du coup, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. En plus, dans les commentaires YouTube, la dernière fois, vous aviez dit ça fait plaisir de voir Yass sur YouTube. Épisode 3 du concept, je le faisais avec le frérot Jiraya. Malheureusement, là, il est pas disponible du tout. Il est en Corée. Donc, je m'étais dit quand même que ce serait cool de le faire. On va réagir à des vidéos gênantes que nous trouvons sur l'internet. Voilà, des vidéos, des TikTok, des machins. Avec plusieurs niveaux de cringe. Niveau 1, 2, 3, puis 4. Voilà, vous connaissez le bail. Est-ce que tu es prêt, toi, je crois savoir que je suis rodé. Moi, je suis rodé parce que comme je vis H24 avec Fanny qui fait que des blagues insoutenables toute la journée, on va arriver en 2024, t'as fait encore les blagues de Kwakubé et tout, je fais ça y est, on a terminé ça. Faut changer la matrice là. J'estime que je suis vraiment rodé sur le sujet. Ok, parce que tu sais que le niveau 3-4 en général sont solides. Ouais, mais moi j'ai 2-3 vidéos en tête qui sont vraiment mais gênantes à la mort, qui me gênent de ouf, et si tu les passes là, je saurais plus où me mettre. C'est parti, on passe le niveau 1, let's go baby. D'accord, hein? Ça te fait bien. C'est le patron. Et moi. Ça me met trop bien. C'est qui le patron? C'est moi. Ça me met trop bien. Ah, pour t'as moi, c'est les non, mais vas-y, s'il te plaît. Ouais. Vas-y. À pognon. Non, mais là, c'est typiquement Fanny. C'est typiquement Fanny. Je vis ça tous les jours. Tous les jours, je te jure que je vis ça absolument tous les jours. Elle me regarde et elle fait des. Ah, comment ça va, mon Kwaku bébé et tout. Et je fais, mais. Et je fais, gros, t'as bientôt 27 ans. T'as 27 piles. Tu fais encore des trucs comme ça. Moi, ça me rend ouf, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, là, je te dis, je suis rodé là. La vidéo d'avant, c'était typiquement Fanny. Tu vois, moi j'aime bien, je posais cette question à Jiraya, je lui disais, est-ce que tu penses que ces gens, ils savent qu'ils sont cringe et ils en jouent à la mort? Fanny, voilà, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte? Non, Fanny, elle le sait. Oui, Fanny, ouais, parce que... je parle par exemple Eux, je pense pas. Je pense qu'ils sont vraiment à fond dans leur délire. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu fais un TikTok gênant et quand tu fais un truc, mais putain de gênant, tu vois, parce que des fois, moi, je vois des TikTok et je me dis, mais ces gens-là, je connais pas leur vie, donc avec tout le respect que j'ai pour eux et tout, mais ils ont pas d'amis, tu vois. Oh, t'es dur. Non, mais ils ont pas d'amis parce que moi, je me rappelle, si on avait le malheur de faire un truc gênant, mais on se faisait vanner, mais pendant une semaine, deux semaines, ouais, lycée et tout. Mais tu vois, moi, en ayant fait, donc je t'ai dit, c'est le 3e épisode, regarde des vidéos comme ça, il y a des gens, je pense, c'est des maîtres du troll. Genre, ils envoient ça... de la gênance en balle en étant parfaitement conscients. Mais tu vois, je pense, typiquement, je pense que ces gens-là, ils le savent pas, malheureusement, ils le savent pas. C'est vrai qu'il y en a, ils savent pas, mais je pense que ils s'en rendent pas. Ah oui, par contre, il y en a, ils le maîtrisent à la perfection. Bah, typiquement, tu vois, l'humour un peu style à la zen et tout, nan. Bah, tu sais, ils manient l'humour gênant, mais tu sais, très bien, tu vois. Mais eux, ils sont juste, bah faut dire ce qu'ils sont juste putain de gênants. Non, avec tout le respect, avec le respect que j'ai même pour dans ces TikTok, je pense qu'il y en a, ils maîtrisent ça. Qu'est-ce que t'as, mon ref? T'as un blème, ref? Alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il y a, Alhamdoulilah? Moi, je pense que ça, c'est un troll. Je pense que c'est un troll, honnêtement. Niveau 1, ça commence tranquille? Ouais, c'est tranquille. Là, franchement, c'est tranquille. Ah, attends, c'est niveau 1 là? Niveau 1. T'es gentil, t'inquiète, on monte dans les tons. Non, lui, il est trop fort. Non, mais lui, il est fort. Lui, elle est connue. Oh! Ça bat par des fans comme ça? T'es fou ou quoi? Lui il est bon. Ah lui il est trop fort. Non mais c'est une performance. Ouais, il a... Non mais avec tout le respect, mais il avait une calvitie de taré. Non avec tout le respect, il avait la calvitie, je l'ai déjà dit. Ouais. T'as 3 types de calvitie. Donc déjà ici on en a 2. On en avait 2 pour toi. Voilà. Toi t'as réglé le souci. Moi j'ai réglé. Non, ça c'est la calvitie trou de golf. Toi et ensuite il y a les poteaux de corner ici. Ouais, c'est là. Quand ça attaque. Ouais là. Moi j'avais ceux-là moi. Donc ça c'est les calvitie qui creusent ici. Ouais. Ensuite t'as la calvitie la pire, c'est celle qui c'est celle de politicien de Gérard Jugnot. Celle-là elle est pire que ça, c'est sa calvitie, c'est à marée basse. C'est-à-dire que ça se retire comme ça. Ouais, non, mais là, de c'est manière trop uniforme. Et elle, c'est la pierre. Non, là, c'est. Mais pour moi, tu sais, quand t'es comme ça, frère, rase tout en vrai. Juste, tu rases tout et non, t'en as terminé. Là, faut tout raser. Ah ouais, faut tout raser. Et quand un mec voit une meuf fraîche.
Non, bah vas-y, vas-y, passe à la suivante, passe à la suivante. Bah en fait, j'ai changé de sport. Tu sais quoi maintenant? Bah je lis One Piece. Gros, c'est pas un sport. Bah si, tu sais pourquoi? C'est parce que le football, il a changé. En fait, les gens comme ça, j'arrive pas à les vanner parce que ça se voit qu'ils sont trop bienveillants, tu vois. Genre, ils essayent de faire bien alors que c'est pas ouf. Mais ils tentent. Enfin, je sais pas, il a l'air gentil, ça me fait trop mal au cœur de le vanner, mais ils ont l'air tous très gentils. Mais il y en a, j'ai plus tendance à les vanner, mais lui, je sais pas, il me faisait... Parce qu'il dégage un peu une passionné, il veut nous présenter son truc ou je sais pas quoi, il essaye d'être drôle et mais tout. Parce que le football il est gentil. Ouais, le football est gentil, mais en vrai. Il a changé, pardon. Ah putain de merde. Ouais, c'est moi. 2023, l'année du Jaja. Mais c'est un banger ma blague. Ma blague elle est trop drôle, c'est un banger frère. Elle, comment ça elle est nulle sur TikTok, elle a fait des gros chiffres cette blague. Tu sais que franchement gros, 2023 l'année du caca, tu mérites vraiment. Mais elle est incroyable ma blague elle... Vous en pensez quoi? T'en penses quoi Zach? Incroyable. La vidéo là, on réagit un peu à des trucs et tout qu'on trouve en bordel sur internet. L'idée c'est pas d'être méchant, oui, hein, oui. C'est un truc qu'on trouve gênant ou quoi. Et puis il y a des personnes, ça se voit, c'est des trolls. Niveau 2. Allez niveau 2. On monte d'un cran, t'as fini niveau. Il y a 4 niveaux c'est ça? Ouais. Ok. Non, là c'est là, la fin elle est... Non, la fin c'était pas prévu au programme. Oh, non, c'est le train de live, c'est le train de live, les mecs, train de live. Attends, la fin c'est... La fin, je pense pas que ce soit le geste qu'on imagine, en tout cas la signification. Moi je pensais, elle fait comment? Regarde. C'est comme la statue de la liberté. Ouais, exactement, c'est le statue de la liberté. Ouais, voilà, comme Miss France. Tu vois, voilà, elle prend comme ça et tout. Tu vois, elle fait comme ça, c'est comme ça. Ouais, y'a rien, ça joue, ça joue. Comme Bill Clinton et tout, tu vois, le président américain. Ça joue, là-bas, là-bas. Et sinon, la vidéo. Vas-y, qu'est-ce que tu te dis? Passe à la suivante, frère. Là, j'en peux déjà plus, là, niveau 2. Passe à la suivante. Ma chérie. Ma vida loca de la bachacha. Quoi, coupé? Putain. Mais elle ressemble à Gérard Rouillet, la mode d'avant. C'est un mec. Mais je sais. Ah, c'est un mec. Ah, pardon. En plus, Gérard Rouillet, il est mort. Mais je sais, paix à son âme. Quand les gens, ils essayent d'imiter un truc comme ça, c'est un peu en mode accent, ou en mode jeu. Ah non, mais c'est insoutenable. Mais les frissons de gêne sont très forts. Intolérable. Next. Oui, il fait le coup de la lèvre. Tu m'étonnes que les petits... Oh non, le retour du coup de la lèvre. Vous savez, je fais pas exprès, en vrai de vrai. Regarde, je... Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Gigi, on mais avait ça, la même chose. Mais ça, typiquement, c'est le genre de TikTok. Mais moi, enfin, à l'époque, je le faisais et je mettais ça sur internet. Mais mes potes, ils me disaient, mais gros, mais tu fais quoi là? Genre vraiment, pendant 2 semaines, 3 semaines, ils me vannaient non-stop. Ça, je comprends. Tu sais que vraiment, on avait un autre gars qui faisait le coup de la lèvre avec Gigi, justement, dans un des précédents épisodes. Le mec disait, je fais pas exprès. Oh, regarde, mais c'est comme, tu sais, il y a des vidéos aussi, les mecs, ils ont la voix grave, d'ouf, et ils le font exprès en mode, yeah. Enfin, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, ça me... Est attribué. Oh putain! Oh non! Adil, mon frérot. Non, Adil Rami, respect pour un quart de footballeur, mais ça, c'est trop terrible. Oh putain! Non, ça, c'est un truc, je vous rends. C'était donc ça, Adil. J'ai jamais compris ce que vous faisiez là-bas. Non, reste dans le football, vous avez là, dealer, vraiment. Vous avez des GIGN, des agents secrets pour vous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas au ralenti, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Expliquez-moi. Vraiment, quand tu vois Lilian Thuram après tout comme ça. Ah non, mais Adil Rami, ouais, je m'en rappelle de ce moment-là. En plus, je crois que je l'avais vécu en direct, ce truc, c'était... Tu sais que vraiment, entre ça et le gars au Ballon d'Or qui avait... Mais Martin Solveig, c'était Martin Solveig qui avait dit à Eder... Et tout. Oh, ouais, en plus, je crois que c'était une joueuse lyonnaise. Oh, c'était Anna... Ada Egerberg, premier Ballon d'Or... Premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, grande avancée pour le foot féminin et tout, non? Et là, le mec, il dit direct, est-ce que tu sais twerker? Putain de gênant. Regardez, on est trop des bacas. On mange 2 minutes. Et ouais, on a école en 2 minutes et on mange des tacos. On est trop des bacas. On est trop des bacas. Ça me fait bien. On est tacos. On est tacos. Ça, on est trop des bacas. Quand on était des gamins. Ouais. Moi, comment on était gênant. Ah, moi j'étais putain de gênant. Vu comment on était gênant, parce que vraiment moi j'étais top un cringe sur ce genre des conneries comme ça. Heureusement que dans ma génération il n'y a pas eu TikTok. Parce que là, nous on était gênants. En scred. En scred.
Il y a des gens là, ah ouais, ils sont pas gênants, ouais, non, mais c'est quand ça va ressortir le papyrus de Vienne, il y en a, ils vont avoir envie de s'enterrer. Hein. Non, mais il y a des, tu sais, il y a des gens, ils vont se faire tuer, tu vois. Il y a un moment où, genre, tu sais, ils vont chercher un taf, et il y a un moment, leur patron, ils vont trouver leur blaze, ils vont trouver les vidéos qu'ils ont fait avant, ils vont dire, mais c'est toi le tocard qui fait ça là. Ouais, mais TikTok, c'est comme David de Hakaï, de toute façon, cette application a niqué, mais franchement, une génération entière. Après, moi, mais ça, c'est mon avis, pour moi, TikTok, c'est la meilleure application actuellement. T'es un baka ou pas? Ah, moi, je suis baka! Petit tacos avant les tacos. Et je crois qu'en fait, bah, je suis raciste, en fait, pour les blancs. Attends, quoi? Parce que quand j'y réfléchis bien, en fait, je me comporte vraiment comme un arabe de plus en plus. Je vais à la chicha, j'ai plein de potes arabes, je m'entends pas avec les babs, tout en fait. Et là, je suis en train de me dire, ouais, en fait, t'es bien. Sur la tronche, ça donne envie de se bagarrer. T'es arabe dans l'âme. C'est comme si j'étais trans, mais que j'étais pas né dans le bon corps, en fait, vous voyez. Genre, les trans, ils sont nés dans un corps de mec. Mais ça, en fait, c'est dingue de dire ça, même. Un corps de blanc et je me sens pas à ma place. Je m'intéresse beaucoup trop, en fait, à la question. Stop, je peux plus. Je demande. Mais tu sais que même au-delà de la blague, ça, tu vois, typiquement, quand je te disais le genre de vidéo qu'un jour qui va ressortir quand tu chercheras un taf, c'est ce truc-là. Pour moi, c'est une dinguerie, même au-delà de la blague et tout, c'est fou de dire moi, ça. Là, je demande le stop, je peux plus continuer. Ah ouais, non, mais attends, moi, ma place, c'est les tagines et tout. Non, il est fou. Est-ce que tu m'aimes? Non. Je t'aide. Est-ce que tu me gnoques? Je te gnoque, même. Est-ce que tu me gnoques? Je te gnoque. Non. Cette vidéo-là, pour moi, résume parfaitement les personnes de plus de 18 ans qui utilisent XD, chapeau. Pour moi, cette vidéo-là... De points sourire. Voilà, c'est exactement ce genre de personnes. Je peux pas les voir autrement que comme ça. Si t'as plus de 18 piges et que tu utilises ça... Non, prénom. C'est ta mère. Ta mère. La banque le banda. De l'un peu de. Bon, mais là, je rigole bien, moi, quoi. Mon nom, c'est ta mère. Nique ta mère. Elle est incroyable, la blague. Genre, la blague, voilà. Elle est, pour moi, elle est phénoménale. Je ne ferai pas qu'un bien se remplace. Des fois. Parce que là, on peut. Ah, métier de merde! Il y a des vieux, ils valient internet. Ah ouais, non, mais moi j'ai trouvé trop fort les vieux. Vraiment, il y a des vieux, ils valient très bien. Mais parce que les vieux, comme ils en ont rien à foutre et tout, et qu'ils se rendent pas compte de la notion de cringe et tout ça, et ben ils sont juste naturels. Et c'est, en fait, ils sont pas cringe. Moi, j'ai Carglass glace remplace coup de marteau. Ouais, moi, je les trouve avec le marteau qui se décroche et tout. Moi, je trouve ça trop drôle. C'est trop drôle, ça. Les amis, niveau 3. Mais surtout pour le pied, dans la maladie. Non mais il a la moustache trop tendancieuse là. Jusqu'à ce que la mort. Oh, la moustache de zinzin. Non mais la moustache. Mais là tu vois c'est... Oh non. Acceptez-vous. Je vais voir avec vous. Tu veux pas? Elle veut pas! Mais en fait, moi je me dis quand même, ces mecs, au-delà du fait que ça soit putain de gênant, moi je. J'arrive dans le sketch raté. Non, et j'arrive à voir la performance. Non, mais il n'y a pas de performance. Non, mais je m'explique. Parce que pour être en public, avec autant de monde autour et d'être aussi gênant et de garder son calme, je te jure, mec, qu'il faut avoir du mental. Moi, tu me demandes de faire ça, mais c'est impossible parce que, genre, je vais être en sueur, je sais pas, je vais trembler et tout. Lui, il tremble pas, il va jusqu'au bout de sa vanne. Et moi, je trouve que c'est admirable. Non, gros, 2023, moi, l'année du caca, gros. Tu sais faire, toi aussi, hein. Oh, y'a joueur du grenier derrière. Lui, c'est le goût, lui. Bah ouais. Vous l'aurez cherché. Vous allez réveiller. Il a pas dit. Un bâtard en moi. Lui, il est fort, lui. Ouais, ouais. Oh, chaque fois qu'il voit ça, il se arrive à prendre des heures de moi. Oh putain, c'est grave, c'est le goût. Non, la transformation, elle est incroyable. Down, 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 down. Non, la transformation... La transformation, ça, évidemment, lui, il est trop fort. Il maîtrise les films. Ah non, il est trop fort. Il te propose un dialogue, un scénario, un script et tout, mais parfait, pour moi, incroyable. Avec attention, ça, tu vois, un petit cliffhanger. Au début, quand on parlait de mecs gênants, mais qui le font exprès, ce mec-là fait partie de cette catégorie et il est trop fort. Non, pour moi, lui, il est plus gênant, lui. Ah oui, non, pour moi, c'est une performance. Il a sa D1. Ah, très fort. Il y a une idée. Mais respect, mec. Ça, c'est Joël, ça. Oh non, ça, c'est...
les expressions japonaises comme ça. Putain. Super énervé, putain, c'est le roi. Un petit cowboy. Je suis désolé, mais ce mec, pour moi, est le roi de la blague. Ce mec a été trop mal traité. C'est le mec d'un dîner presque parfait. Il te sort un banger. Dans le saloon, il rentre dans le cowboy, il fait... Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait... C'est moi, pourquoi? Eh, petit cowboy, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Non. Ce mec est le roi de la blague. Il a été trop maltraité, je suis désolé. Mais elle est ignoble, non, 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 surtout que mais je remets mais déjà, c'est toi, ne va pas dans la cave. Je remets les choses. Je remets les choses en place. Sa mère, la blague. Il y a une suite à cette blague. Il y a une suite à cette blague et il a expliqué le mec, en fait, le monteur de Un dîner presque parfait a coupé le moment où les gens ont rigolé et il a laissé juste le moment où, genre, les gens ils étaient avec leur couvert, ce qui donne la sensation de blague pas drôle. Alors non, que ce mec au-delà du fait que les gens peut-être. Non, la blague du cheval en bleu, la blague du cheval en bleu est un classique de l'humour. Je suis désolé, je suis catégorique. T'as pris non, celle-là, je te jure, mec, c'est celle-là que je te parlais tout à l'heure. Moi, les combinis, désolé, hein, moi, les reprises combinis comme je ça, je crois que c'est. Non, je peux pas. Oh, Jaja. Non. Y'a pas moyen de Jaja. Non, je suis désolé. Les comédiens sur fond qui. Mais j'avais pas celle-là en tête, moi, j'avais celle où la meuf a reprené Booba. Oui, non. De valider. Et celle-là, pour moi, je l'ai jamais fini de ma vie, elle est trop insoutenable. Vraiment, j'ai rien combini de ça, y'a pas de soucis, mais là, je. Non, là, c'est. C'est sur ce concept-là en particulier, je peux pas, je demande à ne même pas le voir. Non, c'est trop intolérable. C'est quoi les habitants du Québec? Oh non. Ogikwa Kubaka. Toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, le dab, il est... Et le dab donne trop de charme à la blague, je suis désolé. Moi, je suis un friand de blagues comme ça. Genre... Non, Yass, t'es honteux, frère. Viens, regarde ton oncle. Kwakubé! Oh putain! Kwakubaka! Oh, j'en peux plus, Kwakubé! Kwakubaka, frère! Christelle Canal, c'est insoutable. Comédie, regarde-moi ça, il y a des jeunes, des moins jeunes, et des. Bonsoir! Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait. Je suis allé demander à mon père, il m'a dit: qui ça? Toi, tu veux devenir une femme? C'est non. Et je te préviens, si je vois le T5 qui pousse, je ne veux tellement pas à niveau séduction que le seul mec qui m'envoie des cœurs par texto, c'est mon père. C'est pour ça que je suis toujours célibataire. En fait, pour ça, ou peut-être parce que je suis folle aussi. Non, ah, c'est terrible. Stop, frère, vraiment, je suis désolé. Ça, c'est Christelle Canals, mon gars. C'est ancré dans le délire du très gênant. Non, et non, là, c'est ça, c'est terrible. C'est insoutenable. Ah ouais, non, c'est... Je préfère aller voir vieux qu'en hologramme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Frérot? Oh là là. Frérot, Rocher. Oh là là. Frérot. Pardon. Je suis rapport, frérot, tu peux me répondre, frérot. C'est bon, Laurent. C'est compliqué, là. J'étais sûr. Ouais, c'est... Vas-y, frérot. Laurent Mais laissez-le. Faut arrêter, là. Wesh, frérot. Ah, faut arrêter. Non, le wesh, frérot, il est... C'est bon, je peux y aller? Non, le wesh, frérot, il est... Vraiment, là, c'est le Jones. Là, c'est... Frérot! Non, c'est. Wesh, alors, les Jones, ça va ou quoi? Ça farte? Ah non, c'est... Niveau 4! Oh non, putain, quand même! C'est Christelle Canal! Non, c'est pas possible, stop! Je vous aime, mes amours, je vous aime! Juliette, tu sais que c'est la dernière fois qu'on se voit. Après, je vais trop te manquer. Accent du sud et tout. Il veut pas montrer qu'il est ému. Il est trop mignon, mon bébé. Comment il est à bout. Comment vois, il est à bout. Je vous adore. Je vous adore. Je vous fais le bisou. Oh, je vous adore. Et vous êtes contente de me voir. Elle est trop contente de me voir. Tu le sais qu'elle est contente. C'est que je suis. Non, mais elle, c'est. Ouais, vous êtes marquée. Sonia, voilà, j'aimerais juste, avant de commencer, vous poser une petite question. Mais comment ils ont pu accepter ça, la prod? Vous avez un lien de parenté avec Thomas Dutronc? Dutronc, Dubois! Ah, je l'ai, ça! Ça, c'est pas de l'humour Dubois, c'est pas de l'humour en bois, ça, t'as compris? Bois du Sonia Dubois, bien sûr. Pause. Mais c'est long, là. Hein. Mais c'est genre. C'est bas de long. À chacal. Mais en fait, le problème de Christelle Canals, avec tout le respect que j'ai pour elle, j'ai jamais vu une vidéo où genre ça se passe bien. C'est toujours une catastrophe avec mais elle. Mais je me demande, c'est quoi? C'est, tu penses c'est des chefs de rédac qui disent oh là, je sais pas, putain mec, vas-y passe à la suivante. Sauf que j'ai un souci, c'est que mon frère m'a lâché au dernier moment. Donc bon, je vous rassure, je vous ai quand même ramené mon demi-frère. Bonsoir, on est à la télé, on peut dire ce qu'on veut.
Oui. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à billard. Hein. On a un public de merde ce soir. Ah ouais. Ah non mais attends, moi j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends. Mais en fait même le système de deux personnes, en fait il y a tout qui est catastrophique. C'est parce que vraiment, tout est cata. Moi je vais dire un truc qui va choquer. Imaginons, je fais ça, c'est tourné en avance. Des semaines avant, ouais. J'aurais payé très cher pour faire que t'aies le passage. Ouais, non, mais là, j'aurais envoyé des mails, des messages, j'aurais fait ce que tu veux. J'aurais trouvé un non, mais c'est terrible. La vanne de base est trop pourrie. Il défonce le public. Il insulte le public de merde. Il s'est rasé le crâne pour rien. C'est horrible. Genre, en plus, le système des doubles personnages comme ça, ça marche pas parce qu'il est comme ça. Genre, on voit. Enfin, ça, y a rien qui va. Ah ouais, non, c'est. La chemise bicolore et tout. Ah ouais, non, c'est force à lui. Je parcourirai la terre entière et gagne les défis. Pokémon, attrapez tous. Vous pas joué avec son ensemble pour la victoire. Pokémon, un jour, nanana. Je pense que c'est pas fait exprès. Je sais pas. En fait, c'est que là, c'est la frontière où je sais pas si c'est fait exprès ou pas fait exprès. Et c'est trop terrible. En fait, le truc, c'est que c'est vu qu'avec les live TikTok, tu peux donner des étoiles, des machins. Ah, des ouais, des ceux qui font Ice Cream So Good, nanana. Elle, la queen, là, elle a créé une génération de gens derrière. Ah ouais, non, mais là, c'est terrible. Ho ho ho. Mais c'est qui quand c'est Noël? Les petits de la cité. C'est le Père Noël. On est peut-être sur un classique. Wesh, hein. Le Père Noël. Wesh, le type. Ah, le Père Noël. Tiens, des babybelles. Non, c'est un classique. Hein. Lui, il a une idée. Non, c'était vraiment un classique. Je suis désolé, le fond vert. Genre, la voix grave d'abruti et tout. Très gros classique pour moi. T'as vu quand il l'a écrit? Ah ouais, non, mais incroyable. Incroyable. Toi, ça te parle, toi? Ah, merci. Merci, mon frérot. Tu m'as bien fait marrer, putain. Oh non, le timide. Y'a rien qui va pervers 450%, mais c'est quoi ça? Non, c'est quoi ça, le pervers? Je comprends pas là, j'ai pas compris, j'ai pas saisi la situation là. Mais attends, mais tu l'as trouvé où ce mec? Oh putain! Avec la tronche! Ah non, mais l'enchaînement il était incroyable! L'enchaînement de fou! Ah putain de merde, l'enfoiré! 450% pervers, regardez, il est fou! Non, sur cette. Non, mais en vrai, dans ce pays, on se rend pas compte! Je te jure, dans ce pays, il y a tellement de tout, on se rend pas compte des gens qu'il y a! On se rend pas compte des gens qu'il y a! Mais moi, je pense que c'est le TikTok le plus drôle qu'on a vu depuis le début, par contre, c'est. C'est genre vraiment! L'enchaînement! Timide! Yes! Yes. Et puis de l'équité? Alors? Je ne vous oublie pas. Oh là. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Oh là. Dans ma vie. Ah non, mais les mecs. Et je vous retrouverai. Ouais. Non, mais les pauvres, ils crèvent la dalle. Ils en peuvent plus. Ils sont dans une île. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est insoutenable. Ils ont fait une épreuve qui les a tués physiquement. Et l'autre, elle chante sa musique de merde. Non, par contre. Bon, bah on arrive à la fin. Oh putain, merci pour ça. Alors, merci pour ça. C'était comment? Bah j'ai plus rigolé que j'ai. Enfin, je pensais être plus gêné que ça, honnêtement. Ça va. Ah, ça va. J'ai bien ricané, en tout cas. Merci pour ça. Prochaine fois, on envoie un épisode 4, mais avec. Ouais, bien, plus, bien énervé, bien gênant, là, putain. Bon. Ah là là. L'idée, encore une fois, comme je le répète, c'est pas vraiment d'être méchant envers les vidéos qu'on peut trouver ou quoi. On rigole beaucoup. Après, il y a 2-3 trucs cringe. On se demande s'ils font exprès ou quoi. 5000 likes et Joël fait exactement le même TikTok que le pervers à 450%. Joël m'a dit 5000 likes et il le faisait, donc n'hésitez pas. Déguisé en Miss Fortune, il le fera. Le déguisement MF, c'est pour 10 000 likes. Voilà. Oh putain, il m'a mis mieux. Ah, il m'a mis mieux. Et puis, on vous remercie d'avoir suivi. On leur dit à la prochaine. Bah, à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Salut.